Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous et à chacun la bienvenue à l'ambassade du Gabon au Sénégal à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, mais également à l'occasion de ce premier salon de l'entrepreneuriat et des échanges professionnels des Gabonais ici au Sénégal. Je vous souhaite donc la bienvenue. Les raisons de ce salon, ce premier salon, ont été magnifiquement prononcées par le représentant des entrepreneurs. Je ne peux que m'en réjouir, mais je veux simplement rappeler des choses que vous connaissez déjà, qu'ici au Sénégal, il y a une forte communauté gabonaise, des étudiants, des stagiaires, des familles entières, des militaires, mais également ces jeunes Gabonais qui ont choisi de rester au Sénégal, d'y trouver famille et de créer des entreprises pour le développement à la fois du Sénégal et du Gabon. Cette année, dans le cadre de la commémoration du 57e anniversaire de notre indépendance, l'ambassade a choisi de mettre en avant ses entrepreneurs afin que vous et nous, Gabonais, nous puissions les découvrir, parce qu'ils sont nombreux, que vous, communauté sénégalaise, vous puissiez également les connaître, afin que dans leur action au quotidien, vous puissiez, pourquoi pas, les accompagner à chaque fois que de besoin. Ces entrepreneurs sont autour de vous, avec les stands que vous voyez dans nos jardins. Voilà un peu ce que je peux dire en termes d'introduction. Et rappeler que ce que l'ambassade fait n'est pas fortuit. Nous sommes simplement dans la droite lignée et les droites orientations du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui nous exhorte à promouvoir le Gabon à l'étranger, mais également à mettre en avant la diplomatie gabonaise, au cœur de laquelle les diasporas gabonaises dans chaque pays constituent un élément clé. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Fort de cela, permettez-moi de déclarer ouvert le premier salon de l'entrepreneuriat et des échanges professionnels des Gabonais au Sénégal. Je vous remercie.